LR. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est le 1er août, ça c'est sûr. On est jeudi 1er août et les promos sont sortis. Et les promos sont pas ouf. Mais j'ai pris une décision radicale, les gars. Décision radicale. D'ailleurs, j'ai oublié d'acheter l'Open Atomizer. Ça m'apprendra. Bon, bref. Les gars, j'ai décidé d'arrêter d'attendre les promos de Rockstar, c'est bon. J'ai compris qu'ils allaient plus rien mettre d'intéressant. Alors, de une, ils vont plus rien mettre d'intéressant. De deux, lui, il va mourir. Oh non, t'as de la chatte. Ah, il a sauté. Eh ben, ce n'est que partie remise. Putain, t'as vraiment de la chatte, frérot. Allez, je me casse. On commence par le chanceux du jour, Specio Visivo Italiano Carbonizzare. J'aurais pas dû l'attaquer. Bon, bref. Voilà, donc Rockstar, il laisse mourir le jeu en espérant que, en faisant rien, les gens achètent plus de shark card. On a compris, ça marchera pas, je pense. Enfin, j'espère. J'espère que ça marchera pas, parce que sinon, c'est chaud pour nous. Hein. C'est chaud pour GTA 6 même. Hein. Voilà, donc on abandonne. J'attendais des promos cool pour rejouer dans avec la joie de vivre, de farmer les promos de Rockstar. Qu'est-ce qu'il y a x2? C'est... Je sais même plus ce qu'il y a x2, x3. Ah, il x3, c'est le taxi, frérot. Genre, je vais faire du taxi. Genre, je vais faire des heures et des heures de taxi, quoi. Toi, ma parole. Coucou, je panier, sale bête. On attend qu'il se relève. Et atomisation. Et là, il y a un mec qui me course. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? N'ai pas me casser les couilles, les gars. Les promos sont nuls. Voilà, je rentre dans le casino. Les promos sont nuls, donc mauvaise humeur. Hein. L'humeur, elle est pas là. Hein. Non, je rigole. Non, je suis de bonne humeur, sinon j'aurais pas lancé GTA 5 online. Après, pour ma défense, ces derniers jours, il y a des travaux à la maison. Oh, d'accord. Une petite zone torno avec un petit motif sympa. Ouais, je veux bien la gagner, ouais. Ah, c'est vrai, j'avais gardé des jetons dans l'espoir de gagner le méga jackpot. LR. Imagine, je gagne la zone torno. Non, imagine. Hein. On a le droit d'imaginer. Imaginez dans la vie, c'est pas interdit. Et on gagne du closing. T-shirt Goofy à feuilles fluo. Ok, frérot, t'es comme ça. Ok, acheter des jetons. Oui, bonus visiteur. Oui, direction machine à sous. Petit moment de détente. Et après, les gars, moi je vous dis, on va relancer le farm. Hein. Tant pis. Enfin, tant pis. Tant mieux même. Mais je vais pas attendre 15 ans que Rockstar décide de mettre des trucs intéressants pour farmer. Tant pis, on va refaire de l'acide et tout. Là, je vais relancer la machine aujourd'hui. Bon, par contre, je sais plus du tout où j'en suis dans mes business. Donc, il va falloir. Alors voilà, le premier épisode risque d'être un peu chaotique. Oh, dommage. Putain, j'ai failli gagner le méga jackpot. Oh là là. LR. Que de la merde. Oh, la boîte de nuit, la popularité, elle doit être au plus mal. Oh là 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 là, ça va être vraiment éviter le naufrage là. Bon, il y a que dalle, hein, les gars. Si je coupe, si je parle, c'est qu'il y a que dalle. Hein. Voilà. Hein. Je vais pas tout vous montrer les résultats parce que sinon demain on y est encore. Oh, oh dommage. Oh, deux fois d'affilée, dommage. Oh. Oh, putain, j'ai même pas eu un petit diamant, un petit truc, quoi. Ah ouais, que dalle. Et on arrive déjà à la fin. Ok, donc je pense qu'on va remonter la boîte. Relancer l'acide. On va se remuer le popotin. Ah, j'aurais même pas eu un diamant à 2500, quoi. Que dalle. Ah bah, suffisait que je le dise. Oh. Allez, encore 4 coups. Oh. Oh, dis donc. J'ai l'impression que la chance arrive. C'est con, c'est le moment où j'ai plus de jetons, quoi. Bon, bah voilà, c'est finito. Bon, bah on a bien joué, ça m'a bien diverti. Je suis heureux. Maintenant, vas-y, on va appeler le labo d'acide vu qu'on est près du casino. Ça sera fait. Et après, on fait la boîte de nuit. Véhicule imposant, labo d'acide, c'est parti. On se met en sécuro serve. Oh, nice, on peut. Tout est fluide. J'aime ça. Quoi? Oh non, frérot, t'abuses. Je pensais que l'acide était full. Bon, on achète des matières premières. Allez, on se casse. Demander véhicule personnel, ça va être quoi comme véhicule, frérot? Oh non, me le met pas sur le parking, hein, t'es sérieux? Oh putain, il me l'a mis sur le parking. J'adore les logos pizza sur la map Rockstar. Ils pensent vraiment que les joueurs vont le faire. Eh ben, ils ont raison parce que les joueurs l'ont fait. Ils ont battu l'objectif de 25 millions de pizzas livrées, là. Donc, on a gagné un super t-shirt pizza. C'est génial. Franchement, c'est de la merde. Mais j'ai même plus les mots pour dire à quel point c'est nul à chier, en fait. Oh non, c'est le scooter. Oh non, t'abuses. On va appeler une voiture Paradise. Non, mais franchement, un t-shirt pizza pour 25 millions, les joueurs livrent les pizzas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oh là là, le cooldown. Bon, toi, tu vas te faire atomiser, mon pote. Netflix and kill. Voilà. Eh ben, je vais respawn dans une autre session. Rien à foutre. Boîte de nuit. Let's go. Bah ouais, maintenant, tout le monde sait que je suis cancer aujourd'hui.
Ouais, donc je disais, si les joueurs livrent 20, des millions de pizzas pour avoir un t-shirt, les gars, Rockstar, il peut tout faire. Demain, il peut vous dire pour 10$, vous livrez 40 millions de pizzas, les joueurs vont le faire. Donc, je dis pas que les joueurs, c'est des moutons ou des pigeons. Je pense qu'ils ont, je pense qu'on a tous voulu découvrir les pizzas. Donc, on a livré des pizzas. Mais après, je pense quand même qu'il y a des gens qui ont livré des pizzas en boucle, quoi. Et pour un t-shirt pizza. Donc, écoute, je sais plus quoi dire, frérot. Au bout d'un moment dans la vie, les gens, s'ils aiment bien se faire douiller, c'est leur problème. Moi, j'ai livré que 5 pizzas et ça m'a suffi. Mais il y a des gens qui ont livré je sais pas combien de pizzas pour avoir un t-shirt pizza. Ça veut dire que demain, Rockstar, il fait ce qu'il veut, en fait. Rockstar, c'est le maître, frérot. Il te dit, pour de la merde, fais ça 10 000 fois, les gens vont le faire. Voilà. Bah, après, ça montre la puissance de Rockstar et la puissance de GTA, hein, mais... Alors, la boîte de nuit, on va sortir et rentrer. Je lisais les commentaires, il y en a quand même pas mal qui pétaient des câbles, hein, qui disaient, non, mais Rockstar, je suis PDG, j'ai une boîte de nuit, j'ai l'acide et tout, qu'est-ce que tu vas me faire livrer des pizzas, quoi. Et c'est vrai, c'est pas logique, franchement. Le choix est illogique de faire ça à ce moment du jeu, c'est la fin du jeu, c'est le truc qu'on attendait dès le début de GTA Online, quand l'argent était dur à se faire et qu'il fallait galérer, bah putain, on aurait été heureux de livrer des pizzas, quoi. On aurait livré des pizzas, on se serait payé une première voiture un peu éclatée à 150 000 $, rien qu'en ayant farmé des pizzas, on aurait été super gaze. Bon, je vais le ramener, lui. On aurait été super gaze, mais là, frérot, tout le monde a des millions. Enfin, tout le monde a plein d'argent, et s'ils ont pas plein d'argent, ils ont les moyens totalement de... Merde, faut lire le texto. S'ils ont pas plein d'argent, ils sont comme moi. J'ai pas plein d'argent, mais j'ai les moyens de gagner plein d'argent. Voilà, nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est nul, frérot. Mais bon, disons que là, c'est vrai que je pense que Rockstar, ils utilisent des trucs, enfin, ils nous mettent des nouveautés, mais tu sais, en mode, tiens, prends ça, tiens, va livrer des pizzas, tiens, ça va t'occuper un peu, voilà. Comme les courses de drift, ça aurait dû arriver directement avec l'atelier, avec le DLC de l'atelier auto. Elles sont arrivées beaucoup trop tard, tu vois, c'est des trucs qu'il fallait mettre en même temps, quoi. Enfin, bon, bref, c'est pas grave, je vais pas leur apprendre à faire des jeux vidéo, parce que je pense que Rockstar sont beaucoup plus compétents que moi, et c'est vrai que on critique, mais s'ils ont pas de concurrents qui c'est peut-être qu'ils font quelque chose de difficile et que personne peut le faire. Personne n'arrive à reproduire les jeux de Rockstar. Il y en a qui se rapprochent, mais tu sais, ils effleurent sans jamais vraiment concrétiser. Donc voilà, donc on peut que critiquer, mais on sait qu'on fera jamais mieux. Voilà, telle est notre vie. Pas d'accident, ça va stresser le VIP. Voilà, comme ça j'aurais remonté la popularité. L'acide, c'est mort. Caillot, j'ai pas envie. Là, j'ai clairement pas envie. Hop, voilà, ça c'est fait. Et 11 000 $. Alors, j'ai dit que je remontais les trucs. Ça serait bien que je passe à mes entrepôts racheter des caisses. Par contre, je veux y aller avec une belle bagnole. Ah ouais, que je me fasse plaisir au moins dans la conduite. Je crois que j'ai entendu dire un développeur GTA 6 a dit que fallait pas que les gens s'attendent à un truc si différent que GTA 5 pour GTA 6. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, si, je comprends ce que ça veut dire, mais ça ne m'étonne pas. Et à la limite, ça me rassure, tu vois, parce que GTA 5, c'est quand même une bonne base solide. Donc, je préfère que GTA 6 ressemble quand même beaucoup à GTA 5 en amélioré, plutôt qu'ils aient essayé de faire un truc tout nouveau qui puisse ne pas plaire, quoi. Enfin, ne pas me plaire. Après, moi, je suis pas enchaîné à ma chaîne YouTube, hein, comme je vous ai déjà dit. Si demain j'en ai marre, j'arrête, hein, je fais autre chose, hein. C'est pour moi l'occasion de vous rappeler que si vous avez la possibilité de faire des études, faites-en. Que ce soit un truc professionnalisant ou pas. Que ce soit un CAP, un BTS. Si vous avez la possibilité de faire des études, faites-en quand même. Voilà, les gars. C'est la bien-pensance de JK, mais je parle en connaissance de cause parce que moi, je me suis forcé à faire mes études pour faire plaisir à mes parents un peu. Et en fait, j'ai bien fait de me forcer quand même, parce que bon, ça te fait toujours un truc en plus que tu peux faire, tu vois. Même si tu fais ton CAP plomberie, que ça te fait chier la plomberie, et ben si un jour t'as un problème dans... C'est qui lui? C'est un joueur en invisible? Ah ouais, ah bah ouais, c'est bien ce que je me disais. Allegre Arquero. Mais j'ai que des sessions avec des pseudos poétiques. Là, il y a un mec qui s'appelle Pulso. Ah non, Pulsio, pardon. J'ai mal vu. On se motive, on se donne un coup de pied au cul. Ouais, toujours faire des études quand même. Mais des études, ça va pas forcément dire bac plus 9, hein. Et voilà.
Mais faites un petit truc quand même. De toute façon, c'est pas ça qui vous rendra heureux, mais ça vous rendra peut-être moins malheureux que si vous en faites pas, les gars. Enfin, tu me diras, moi je connais des gens qui ont des bacs plus 5 et qui étaient vraiment pas heureux alors qu'ils. et qui du coup ont switché totalement de life. Ça veut rien dire. Ah, si suffisait de faire des grosses études pour être heureux dans la vie, frérot, ce serait facile. Hein. Si le bonheur tenait à ça. Mais bon, voilà, parlons d'autre chose. Ouais. Et franchement, je me dis, heureusement qu'il y a GTA 6 qui sort bientôt pour nous divertir. Et ouais. Bon, alors maintenant, les courses de drift. Ouais, non, j'ai pas envie, c'est trop long en plus. Les entrepôts, ça c'est fait. La boîte de nuit, ça c'est fait. L'acide, c'est fait. Faut passer à la coke. Ah, il livre une pizza. Oh, il livre une pizza. Oh, mon livreur préféré. T'essaies d'esquiver là? C'est à cause de toi qu'on a gagné un putain de t-shirt de merde. Oh, j'ai failli me faire péter la gueule. Il est mort. Désolé. Désolé. Camille. Ouais, livreur pizza, c'est bon quoi. Tu livres 5 pizzas, t'en livres pas 6, frérot. Alors, j'ai la casse, mais non, la casse, j'ai vraiment pas envie de la faire. Donc j'ai dit que j'allais à la cocaïne. La cocaïne. Oh putain, je sais toujours pas où elle est, au bout de 10 ans de jeu. Qui c'est qui est là? Tarte aux pommes, Porsche Nico, ok. Alors, attention. Big boom, double kill. Alors, on a un petit point bleu. Garde, je le prends pas moi. 7000$, c'est bon. Je verrai même pas la différence. Alors, la cocaïne, il me semble que dans la cocaïne, on avait du stuff. J'aurais peut-être dû passer à la salle d'arcade, ça aurait été plus simple hein, pour voir l'ensemble de mes business où j'en étais, mais bon. Oh oui, j'ai une vente à faire. Eh ben, je la fais. Ça passera, tant mieux, ça passe pas, je m'en fous. Allez, les motos ou le camion unique. Monter dans un camion. J'ai les trois camions poubelles. D'accord. Eh ben, va te faire foutre, frérot. Eh ben, je vais faire ça en session solo. J'en ai rien à foutre. C'est bon. Trois camions poubelles tout seul, c'est mort. On sait très bien que ça va pas passer. Alors. Bon, espérons que là, ça le fasse. Je vais avoir deux véhicules minimum. Allez, un truc sympa. De toute façon, il faut que je le fasse. Ou au pire, je fais qu'un véhicule hein, et je fais péter le reste. Je m'en fous. Monter dans le fourgon. Oh, yes! J'ai qu'un véhicule, putain, j'ai pris la meilleure décision de ma vie en changeant de session. What? Oh, j'ai jamais eu cette vente. Ah ouais, nice. Putain, j'ai trop pris une bonne décision, je suis trop heureux là. Allez, je vous ai dit, on recommence à farmer là. Les sous, on va les faire remonter. Parce que sans sous dans GTA Online, c'est la tristesse. Hein. Oh merde, je me fais attaquer par contre. Est-ce que j'ai des encas? Oh, j'ai pas d'encas, frérot, t'abuses. Putain, 5 km, ça devrait le faire. Oh, les deux piétonnes. Je les ai transformés en méchouis. Putain, ils vont me faire chier les PNJ par contre. Bah, après, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une vente de ouf. Et en même temps, voilà quoi. T'as compris. Moi, président, les gars, j'augmenterai les salaires des policiers, des pompiers et des gens qui travaillent aux hôpitaux. Ouais. Ah ouais, la base. C'est les métiers les plus utiles qui sont le moins payés, frérot. C'est un truc de ouf. Notre monde marche à l'envers, mais apparemment, tout va bien. Apparemment, personne n'est choquette, quoi. Enfin, si, il y en a plein qui sont choquettes, mais franchement, pompiers, hôpitaux, police, trucs de base, doivent être les mieux payés. En fait, je pense que tu devrais faire une sorte de hiérarchie. Des métiers très utiles pour la société aux métiers pas utiles. Et les métiers très utiles devraient être, surtout quand c'est le gouvernement qui paye, devraient être très très bien payés, frérot. Ah ouais. Comment tu veux que ta société elle parte pas en couille, frérot? Ah ouais, moi, président, j'autoriserai les biches à se promener dans les villages de nos campagnes. J'ai que de la merde. Oh là là, les biches. Double course poursuite. Je course les biches qui... Oh la vache, elle tape le meilleur sprint de sa vie. Moi, président, elle a l'air 262 000. Nice. Ça fait plaisir. Oh non, j'ai lancé une activité de Gérald. Bon, bah c'est peut-être le destin qui nous dit. Oh, motivation, non, c'est bon, frérot. Je l'ai déjà fait 12 fois, cette mission. Hein. Oh non, c'est bon. N'insiste pas, Rockstar. Je me demande comment sera la Terre dans 100 ans, les gars. Ah ouais.
Je la verrai pas, mais j'aimerais bien savoir ce que ça va devenir. Bah, parmi vous, s'il y a des tout petites jeunes, s'il y a moyen, il y en a, ils sauront. Il y en a, ils sauront, peut-être, ça se trouve. Truc de fou. Bon, allez, on va aller faire le contrat de Madrazo. Dans 100 ans, on sera en 2124. Oh là là, le changement. En même temps, les gars, pas trop se faire des films. Hein. En 100 ans, c'est pas beaucoup, 100 ans. Ça paraît beaucoup, c'est une vie humaine, mais enfin, c'est plus qu'une vie humaine généralement. Mais non, en 100 ans, il y aura pas une grosse différence, je pense. Hein. À part qu'il y aura de l'IA, de l'intelligence artificielle partout, des trains plus rapides, des voitures autonomes. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans 100 ans ? Elle est en contact, Martine. Martine, je t'appelle. Hein. Tu décroches quand je t'appelle. Utilise l'image fusil à pompe. Ok. Ok, un mec avec un sweat vert et une capuche, une casquette. Je vais te localiser, je vais te trouver, je vais te tuer. Est-ce que j'ai un fusil à pompe ? Ouais, bah c'est un fusil à pompe. Hein. Okay. Ah non, je vais devoir chercher là-dedans. Oh non ! Oh non, les gars, c'est quoi la mission que j'ai lancée là ? Où est-ce qu'il peut être ? Réfléchis au Rockstar. Où est-ce qu'ils auraient pu mettre ce PNJ ? Ah là, je vois un garde. Il est là. Allez, on tue tout le monde. Prendre une photo. Petite photo. Envoyer à Madrazo. Voilà, on a presque le million. Il manque 150 000 dollars. Oh, j'ai pas accéléré la prod de l'acide tout à l'heure, mais qu'est-ce que je suis teuteux, putain. J'y pense jamais à ce truc. Ça serait bien qu'on ait... Ah non, j'arrête les améliorations du bunker pour le moment. C'est bon, j'en ai marre. Je gagne 200 000, je claque 200 000 en recherche, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y aura dans 100 ans, les gars ? Dans 100 ans, il y aura GTA numéro 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça sera même plus des jeux avec des manettes, ça se trouve. Hein. Ça sera des trucs en réalité virtuelle fusionnée, je sais pas quoi. Ça sera plus pareil. Hein. Je crois qu'on vit la meilleure époque, les gars. Les jeux avec les manettes. Hein, ouais. Alors, comment ça que 30 000 dollars ? Je l'ai tué avec un fusil à pompe, frérot, t'abuses. T'abuses, bon, on va se TP à la salle d'arcade et on va faire le point sur notre situation. Allez, session publique. LR. Oh, le coffre de la salle d'arcade, il doit être blindax, à mon avis. Quoique non, parce que j'ai pas énormément joué, c'est vrai. Attends. Oh non, c'est éclaté, putain, 17 000. C'est pas grave. On continue, les gars. On décompte, dans 100 ans, il y aura GTA 12 ou GTA 13, putain. Même plus, ça se trouve. Truc de fou, quoi. Ah ouais, parce que Rockstar, je pense que dans 100 ans, il sera encore là, les gars. Je pense. Alors, oh, j'ai du stock à vendre dans la boîte de nuit. Alors, j'ai du cannabis. What? Putain, j'ai mon cannabis qui est presque full. Putain, j'ai du stock aussi dans le bunker. Moi, je vais vendre ça, moi. 352 000. Je vends, frérot. Alors, on va faire la vente de boîte de nuit et on va péter le million comme ça. Et on remet un pied à l'étrier du farm. Ah ouais, merde, je me suis mis en session publique. Bah ouais. Bon, bah, va falloir speeder. Va falloir s'appliquer. J'ai le stress qui monte. 5 biens. 5 points de livraison. Tous dans le nord. Ok. C'est alors que nous y allâmes. Je vais claquer Norga Fantôme tout de suite. Oh non, je me suis pas mis en sécuro serve. Du coup, j'ai pas d'Orga Fantôme. Oh, oh, oh. Bon. Vous croyez que dans 100 ans, il y aura encore mes vidéos sur YouTube? Putain, ça se trouve, je peux faire une dédicace aux gens du futur, les gars. Si vous êtes en 2124 et que vous tombez par hasard sur cette vidéo perdue sur la chaîne YouTube, je tiens à vous dire que je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que votre futur sera cool. J'espère que GTA 12 est vachement bien. Et j'espère que... Ouais, franchement, je voilà, mais hey, t'imagines les gens dans 100 ans, s'il y a encore les vieilles vidéos YouTube, ils regarderont ça, ils auront l'impression qu'on est des hommes préhistoriques. Genre, ils diront, oh, le vieux YouTuber de 2013, là, qui jouait à GTA 5, genre, l'opus le plus éclaté de la série, ils diront, ça se trouve. Tu sais, les graphismes étaient tellement moches, on n'avait même pas le casque de VR branché directement sur nos yeux, c'était... Tu sais, c'est l'époque à l'ancienne, quoi. La vache. Oh, putain, ça se trouve, il y a vraiment des gens qui vont regarder cette vidéo par hasard. Il y en a peut-être un qui va tomber sur cette vidéo dans 100 ans, si YouTube existe encore et s'il n'y a pas eu trop de problèmes. Et moi, je serais mort. Qu'est-ce que je peux lui dire de beau? Je lui dirais profite de la vie, parce que la vie est courte, frérot. Hein, ouais. Profite. Profite. Pas toi qui dois vivre pour le travail, c'est le travail qui doit vivre pour toi. Hein, ouais. Ne sois pas un esclave. Ne te laisse pas faire. Émancipe-toi. Oh, 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 oh. N'importe quoi. N'importe quoi, frérot. Moi, ouais, j'aimerais trop. Pour eux, là, ça serait comme. Là, graphiquement, ça serait comme si je jouais à Minecraft, là. Ils diront graphiquement, je sais pas comment ils faisaient à l'époque et tout. Ils diront franchement, c'était éclaté, quoi. C'était. On voyait tous les pixels. La végétation était mal faite. Ouais, dans 100 ans, ils diront que notre époque, elle était pas ouf. Hein. Alors que nous, on a vécu ça un truc de ouf, tu vois. L'arrivée d'Internet, tout ça. Nous, on a vécu le truc de ouf. J'avoue, eux, ils auront pas connu ça. Putain.
Enfin, je pars dans un délire là dans cette vidéo. Faut que je me calme, mais j'arrive pas à me calmer. Hein. C'est plus fort que moi. Mais j'avoue, eux, ils auront pas connu ça, quoi. Eh ouais. Moi, j'ai vécu la vie sans téléphone portable. Même si c'était pas longtemps, hein, je l'ai vécu. Hein. Eh ouais. Vous avez sûrement une puce électronique avec avec un téléphone, un écran holographique vissé dans la main. Eh ouais. Vous êtes sûrement des semi-hommes, semi-robots, comme dans Deus Ex. Vous êtes fait greffer des. Vous êtes fait greffer des trucs dans le cerveau. Là, vous avez basculé du côté obscur. Là, je suis sûr vous avez des lecteurs de cartes SD maintenant dans votre cervelle. C'est pas bien ça. Vous avez craqué, les gars. Vous avez craqué sous la pression. Alors, putain, elle est longue cette vente. Hein. J'ai pas eu les meilleurs points. Hein. C'est clair. Voilà, encore. Oh là là, je suis obligé de faire un grand détour là. Franchement, je plains les livreurs de. Les livreurs, les gars, je sais pas comment ils font, mais moi je pèterais un câble avec ce métier. J'ai vu un truc sur TikTok, le mec il montrait qu'il avait je sais plus combien de centaines de paquets à livrer dans la journée. Il montrait son GPS. Mais moi je crois vraiment je pète vraiment une durite. Hein. T'imagines comment ça doit être difficile psychologiquement début de journée. Tu montes dans ton camion et on te dit, alors tu charges le camion, tout le bordel, et on te dit bon t'as 400 paquets à livrer. Oh, frérot, c'est dur, hein. C'est dur de ouf. Hein. Mentalement, c'est un métier que je pourrais pas faire. En plus c'est chiant, tu t'arrêtes toutes les deux secondes, t'es obligé de t'arrêter au milieu de la route, les gens klaxonnent, tu leur bouches le chemin et tout, c'est. Oh, ça doit être stressant en plus. En plus tu dois avoir des. Franchement, métier très dur. Force à ceux qui font ça. Non, lui, l'amour, t'as qu'à mettre un t-shirt. C'est pas le club de striptease ici. Moi, c'est comme facteur. Moi, je pèterais un câble, tu sais. Les facteurs en voiture, là, ils s'arrêtent toutes les deux secondes. Et tu dois t'arrêter toutes les deux secondes. Tu montes et tu descends de ta voiture en boucle. Ça, je sais pas comment ils font. Je sais pas. Pourtant, j'ai fait des trucs en boucle. Hein. J'ai fait, quand je travaillais à McDo, j'ai fait des Big Mac en boucle. J'ai pris des appels en boucle. J'ai résolu des tickets en boucle. Mais putain, mais ça, il y a des trucs de boucle que je pourrais pas faire. Hein. J'avoue. De toute façon, la vie, c'est une boucle. Hein. On essaie tous de pas boucler, mais malheureusement, on boucle tous. Hein. C'est pour ça que ça me fait rire, les gens de temps en temps qui disent « Ouais, c'est toujours la même chose. Bah, tu veux que je fasse quoi, frérot? En fait, tu veux que je crée mon propre GTA? Tu veux que je peux pas rajouter des DLC toutes les semaines? C'est la boucle. Bah ouais, c'est la boucle, frérot. Mais tout est une boucle. Même si t'es milliardaire, tu dis « Bon, moi, j'ai pas envie que ma vie soit une boucle. » Tu dis bon, j'ai plein d'argent, et bah du coup ce que tu dis bon, je vais voyager partout dans le monde, je vais dormir dans des hôtels différents tous les 2-3 soirs, histoire que je sois jamais dans la boucle. Voilà, comme ça j'aurai toujours une vie, je serai toujours dans un autre environnement et tout. Bah tu vas finir par boucler, hein. Tu vas finir par faire hôtel, avion, hôtel, avion, hôtel, avion, hôtel, avion. Ta vie sera une boucle. Hein. Terrible. Ah ouais. Et nous voilà, nous arrivâmes les petits potes. Et combien? Oh, 475 000 dollars. Putain, ça c'est nice. Ah, ça fait plaisir de se remettre un petit peu au farm. Voilà les potes, c'est tout pour ce petit épisode chillax. On a remis le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, tout doucement. J'espère que ça vous a plu les petits potes. Puis moi je vous dis à demain ou à après-demain. Oh, I love... J'avais jamais vu ce panneau, putain. I love Spring, j'avais jamais vu. Ah ouais. J'ai envie de laisser ma trace dans GTA. Oh merde, je voulais dessiner une boule. Je voulais mettre deux boules là. Bon bref, c'est nul. C'est éclaté. Voilà les gars, la bise. À la prochaine, tchou tchou. On s'appelle, hein, la bise.